travail que j'ai fait, que je fais en vidéo performance, c'est beaucoup un travail qui est une réflexion sur le travail, sur le rôle de l'artiste dans la société, sur qu'est-ce que c'est que faire un geste artistique. Je dirais qu'une œuvre clé par rapport à cette notion de travail, c'est Paperwork que j'ai réalisé à Dardar. Donc, c'est une œuvre où, pour la préparer, je suis allée travailler à Dardar pendant plusieurs mois. Donc, je ne travaillais plus là comme coordonnatrice, mais j'ai réintégré les bureaux de la galerie comme artiste. C'est comme me réapproprier le lieu, mais avec ma propre vision d'artiste. Aussi de... C'est ça, de faire une réflexion sur toutes les tâches quotidiennes qui entourent la production puis la diffusion de l'art. Le projet s'articule tout autour du geste d'écriture, des sons de l'écriture, mais je m'intéressais à l'écriture comme geste chorégraphique. J'avais une table qui était rectangulaire, qui était noire, puis il y avait quatre personnes de chaque côté. Je voulais que ces gens-là, c'était tous des artistes, puis ce qui m'intéressait, c'était de les laisser aller pour voir comment visuellement ils pouvaient transformer la surface de la table qui devient comme un tableau. Pour moi, le geste d'écriture, c'est quelque chose qui est très... c'est un acte qui est très introverti. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de prendre ce geste-là qui est... très solitaire, où est-ce qu'on se reflète soi-même. Puis ce qui m'intéressait, c'est de jusqu'à quel point on peut amener le geste d'écriture dans l'espace public, puis en faire quelque chose qui devient une forme d'expression de soi. Puis c'est repli et articulation, c'est comme une réflexion sur le processus de création. C'est de montrer les traces, la craie, l'écriture, les silhouettes de papier découpées, tout ça, de les montrer, donc d'en faire comme un tableau, mais en même temps qu'on voit la gestuelle qui est en train de les faire. Au moment où je le faisais, je ne suis pas sûre que je comprenais pleinement que c'est ça que j'étais en train de faire. Mais maintenant, plus j'y pense, plus je suis convaincue que c'est ça, en fait, qui est un peu ma motivation, c'est de montrer toujours le travail en train de se faire, montrer l'œuvre et le processus qui a rendu l'œuvre visible. C'est des objets qui sont là pour nous faire réfléchir, qui sont là pour nous faire poser des questions, pour nous faire réagir parfois de façon très... tu sais, il y a des gens qui sont en colère des fois quand ils voient des œuvres en art contemporain, ils se disent « ça se peut dessus, tu sais, dépenser de l'argent public pour... » Mais ça, je trouve ça absolument extraordinaire parce que on sort un peu du système puis on rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la poésie. Puis ça, je trouve ça super important.